Mesdames et messieurs, bonsoir. Heureux de vous retrouver dans votre émission Zoom Sur, que nous consacrons ce soir à un secteur qui est un peu méconnu du grand public, à savoir celui des communications. C'est pas encore en direct. À savoir celui des communications électroniques, appelées autrefois télécommunications, qui comprennent la téléphonie mobile, fixe, et le trafic des données, voix et data. Nous essayons de discuter de façon générale des aspects relevant si importants pour l'économie nationale et qui en nette émergence dans les pays développés et dans les pays en voie de développement. Nous essayerons également au cours de cette émission de sensibiliser les citoyens et enrichir ses connaissances aussi bien en technologie employée dans ce secteur qu'en réglementation en vigueur. Et pour faire un zoom sur ce secteur, nous recevons ce soir en tant qu'observateur, je le précise bien, Monsieur Dr Nourdine Mohamedou, qui est maître de conférence, enseignant, chercheur universitaire à l'Institut supérieur de comptabilité et d'administration des entreprises. Bonsoir. Bonsoir. Nous recevons également M. Abdallah Ahmed Diabidine, qui est expert en qualité de services télécom. Bonsoir. Bonsoir. Donc, d'abord, pouvez-vous nous faire, ma question s'adresse à Dr Nourdine, pouvez-vous nous faire un peu l'historique de ce sujet? Bien, merci. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Salatu salam ala Nabi al-Karim. Je remercie le Mauritanie pour son invitation. J'estime que je me réjouis d'abord de cette émission, puisqu'elle fait un zoom extrêmement important sur un sujet qui est un peu délaissé par la grande masse, ou si vous voulez, les médias, de manière suffisamment fréquente. Il se trouve que le domaine des télécommunications, appelé souvent autrefois et qu'on appelle aujourd'hui le secteur des communications électroniques, est l'un des domaines les plus importants dans l'émergence des pays qui sont en développement notamment. Donc, la Mauritanie est l'un des pays qui a su accompagner l'implantation, que ce soit sur la forme réglementaire qu'un accompagnement technologique de ce secteur, qui est le secteur de télécommunications. C'est dès la fin des années 90 qu'on a commencé en Mauritanie à réfléchir sur la manière d'accompagner ou d'accueillir, si on peut dire ça comme ça, la technologie qui va être utilisée, exploitée en Mauritanie, telle que les télécommunications de l'époque. C'est pour ça qu'en fin des années 90, une loi ou deux lois ont vu le jour vers 1999 plus exactement, où l'embryon de l'autorité de régulation a fut créé comme étant une direction, et une loi a vu le jour en 1999 qui était bien faite d'ailleurs, je trouve, qui a régi toutes les fonctionnalités de la réglementation en Mauritanie, notamment l'octroi de licences permettant l'exploitation par les opérateurs des réseaux de télécommunications qui vont permettre la fourniture des services, dont la voix notamment à l'époque, puisqu'Internet n'était pas encore connu en Mauritanie, où on a pu attribuer deux licences en 2000, de licences de 15 ans, qu'on a renouvelé en 2015, et qu'on a entre-temps attribué une autre licence à un troisième opérateur en 2006, fin 2006, qui a commencé sa commercialisation en 2007. Donc voilà à peu près la naissance, si vous voulez, de ce secteur, qui a été quand même relativement dynamique en Mauritanie comparé aux pays de la sous-région, où l'évolution n'a pas eu la même accélération. Notamment, on va peut-être discuter de ça davantage, lorsqu'on remarquera qu'en Mauritanie, le Mauritanien est assez, est assez rapide, hein, tout simplement, en termes d'utilisation des nouvelles technologies, notamment celles des télécommunications. On avait pu constater dans le début des années 2000 une nette forte pénétration en Mauritanie en termes d'utilisation des puces téléphoniques, où on se souvient qu'en 2000, il y avait autant d'abonnés en Mauritanie qu'au Maroc ou en Algérie. C'est assez surprenant. Nous en reviendrons. Donc on reviendra davantage sur ces détails-là. Monsieur Abidine, si vous pouvez revenir sur l'historique, mais ma question pour vous est l'ouverture du secteur en Mauritanie et son évolution. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim.
merci pour l'invitation. Je reviens un peu sur l'historique du secteur. C'est que, comme vous savez, dans le monde, le secteur télécommunication avait plusieurs étapes. Au début, c'était les télécommunications, qu'on appelle télécommunications. Ça veut dire quoi? Ça veut dire juste ce qui est transmission des messages, c'est la voix et surtout la voix qui est basée sur le réseau filaire. Les années 90, ça a eu une évolution qui s'appelle le mobile, qui est émergé partout dans le monde, un peu surtout aux pays développés. Et fin des années 90, les choses évoluent, la technologie évolue, et même chose, l'appellation évolue, on l'appelle communication électronique, parce que c'est devenu un peu, c'est plus la voix uniquement, c'est plutôt la data, la voix, les SMS, l'email, le trafic de données, tout ce qui change entre deux points. Et au début des années 2010, il y avait la troisième génération qui est le 3G actuellement qu'on est sur la Mauritanie. Et ça permet aussitôt, surtout la capacité de transmission en nombre de données, d'octets. Pour à ce qui concerne la Mauritanie, bien sûr, l'ouverture du secteur, c'est comme m'a rappelé Nourdine, c'était en 1999 une loi qui a été publiée, c'est la loi 89 pour l'ouverture du secteur, qui permet la première licence en Mauritanie pour le mobile, c'était en 2000. Et enfin, c'était la deuxième ouverture, c'était en 2006, vu l'attribution de la troisième licence mobile à Mauritanie. Aujourd'hui, la Mauritanie est dotée de technologies de communication électronique les plus en termes de technologie, c'est la technologie 3G, voire la 3,5G, qui permet un débit très important en termes de transmission de données. C'est la même technologie qui est utilisée dans la sous-région en général, puisque la future génération qui est la 4G n'est pas encore déployée en Mauritanie ni dans la sous-région sud, le Mali, le Sénégal. C'est l'année 2016 qui a été déployée au Maroc. Inch'Allah, en Mauritanie, ça viendra Inch'Allah très prochainement. Il y a une réforme du secteur qui a été menée en 2013, qui et une loi, le 025-2013, qui a été promulguée par le gouvernement, qui remplace et abroge la loi 99. Cette loi, en supplément sur l'ancienne loi, c'est que a amélioré un peu l'ouverture du secteur. C'est que le régime avant, dans 99, c'était juste le régime de licence, l'autorisation privée. Vu l'évolution technologique, l'État voulait des nouveaux acteurs qui entrent dans le secteur. Et il y a un troisième régime qui est le régime d'autorisation générale qui permet aux investisseurs d'entrer dans le secteur via des autorisations pour exploiter le réseau qui n'utilise pas les fréquences pour garder un peu la confiance aux investisseurs initiaux dans le mobile, quoi. Ce régime permet surtout aux ISP, surtout pour ce qui est domaine Internet, les ISP, les fournisseurs de services d'accès Internet, permettent d'entrer dans le pays, plus ce qu'on appelle les MVNO, les opérateurs virtuels. MVNO. Les MVNO, oui. Les opérateurs virtuels qui peuvent accéder sur le marché mauritanien. Donc, dans le cadre de l'encouragement de le partage d'infrastructures. Nourdine peut en parler un peu plus de ça. Parce que... si vous avez quelque chose c'est très bien. Je pense que Abidine a précisé ce qu'il faut. Ce qu'il faut peut-être rajouter davantage, c'est que la loi qui a été promulguée exactement 31 juillet 2013 par le président de la République, qui est la loi 025-2013, c'est une loi qui a visé un certain nombre de choses très très importantes. Non seulement le principe de neutralité technologique, mais aussi, comme l'a dit Abidine, c'est pour accompagner l'évolution du secteur de télécommunications et des communications électroniques, prenant en compte les nouvelles technologies, d'une part, et de l'autre part, tenant compte de l'évolution économique, donc permettant aux acteurs économiques qui veulent investir dans ce secteur de pouvoir se diversifier un petit peu par rapport aux licences, en faisant intervenir cette nouvelle manière d'opérer sans être opérateur, c'est-à-dire sans avoir l'obligation d'obtenir une licence
pour opérer. Donc, on peut être autorisé. Donc, l'autorisation, c'est un régime qui est un peu plus soft, qui est un peu plus simple, et donc qui permet ce qu'on appelle les MVNO, qu'on a vu fonctionner en France et en Europe, et même aux États-Unis de manière beaucoup plus rapide. Donc, on a cette aspiration. Il faut savoir que le gouvernement mauritanien, en 2013, ou même en 2012, a procédé à ce qu'on appelle la déclaration des politiques sectorielles, en ce qui concerne les télécommunications. Dans cette politique sectorielle, il y a eu, c'est une politique très, très ambitieuse qui veut renforcer la rente à l'État et donc aussi permettre aux abonnés de pouvoir utiliser toutes les technologies envisageables en termes de 3G notamment et de 3,G, aboutissant enfin vers la 4G éventuellement. Donc les MVNO, qui ne sont pas encore malheureusement entrés en vigueur de manière effective, que je sache, sont en train de, en tout cas en ce qui concerne le cadre juridique, ça a été fait, la loi a été promulguée en 2013, les textes d'application pour les régimes sont en vigueur depuis, depuis 2014, et donc l'arsenal juridique et réglementaire est prêt. Maintenant, il faut peut-être prendre la décision d'aller en avant de manière beaucoup plus pratique en ce qui concerne l'autorisation des nouveaux opérateurs MVNO. Donc on pense que la Mauritanie c'est aujourd'hui. Un opérateur MVNO. Alors, c'est un opérateur qui est autorisé à faire, à fournir un certain nombre d'activités sans pour autant remplir un cahier des charges très lourd en termes d'infrastructure. Donc c'est un opérateur qui peut opérer en louant, si on veut être un peu plus vulgarisé, donc en louant les infrastructures des autres. C'est-à-dire que le nouveau cadre juridique et réglementaire encourage fortement le partage des infrastructures. Donc le partage des infrastructures passives, comme les pylônes ou les passages, les domaines, etc. Mais aussi le partage d'infrastructures actives. Donc un opérateur peut exister administrativement sans exister forcément physiquement en ce qui concerne les infrastructures physiques. Donc c'est le cas de Free en France, on peut le dire je pense sur ce plateau. Free n'a pas d'infrastructure, il a loué les infrastructures des autres, ce qui est autorisé par la loi, et donc a pu faire des chiffres d'affaires, ce qui a impacté la facilité, enfin le prix, le coût de la communication électronique, qu'elle soit trafic de data ou de voix, ce qui a un impact positif sur les prix des communications de toute façon. Et ça, ça a un lien direct avec la politique sectorielle du gouvernement. C'est ce qui va nous amener à parler de réglementation. Qu'est-ce qui régit ce secteur en termes de... Alors, le secteur de télécommunications qu'on appelle aujourd'hui des communications électroniques en Mauritanie est tout simplement régi par les textes suivants. Donc il y a une loi qui existe depuis 2019. Donc cette loi a été abrogée en 2013 par la nouvelle loi dont je viens de vous parler. Donc la première loi avait accompagné le secteur de manière plus ou moins correcte. Donc il y a trois opérateurs qui ont été licenciés, qui ont obtenu une licence. Par la suite, donc l'autorité de régulation multisectorielle qui régule le domaine de télécom notamment, a été créée par la loi 2001, donc la loi de 18-2001, je crois. Donc cette loi permet à l'autorité de fonctionner, lui donner ses prérogatives et aussi utiliser les textes d'application issus de la loi de 1999. À partir de 2012, fin 2011, il y a eu le début de l'évolution technologique. Il va falloir quitter la 2G ou la garder et évoluer vers la 3G. Penser à la 4G, penser aux MVNO que je viens de vous expliquer. Et donc, il faut un nouveau cadre. C'est normal, la Mauritanie a révisé son cadre juridique et réglementaire. Aujourd'hui, elle dispose de la loi 025-2013. Cette loi a un certain nombre de textes de loi, dont deux décrets. Le décret des régimes autorisation, donc il y a autorisation qui vient s'ajouter, il y a le décret pris en Conseil des ministres, qui est le décret d'interconnexion, qui est très important, qui gère le marché de gros entre opérateurs, c'est-à-dire le volume de communication échangée, ce qui suppose un partage d'infrastructures, donc c'est fondamentalement important. Il y a aussi davantage de protection des clients, des consommateurs. Donc il y a la protection des libertés qui sont régies par les droits constitutionnels et réglementaires. Donc dans cette loi, il a été renforcé l'arsenal qui protège davantage. Il y a aussi les sanctions, pécuniaires ou autres, qui ont été mis en évidence de plus en plus dans la nouvelle loi. Voilà à peu près l'arsenal juridique. Une loi avec des textes d'application et une autre loi régissant l'organe auquel on a délégué la régulation, l'État qui est l'autorité de régulation multisectorielle. Si vous avez quelque chose à ajouter.
Je vais juste ajouter qu'il y a effectivement un complément. On passe à l'étape texte suivante. Il s'arrête au décret. Il y a des arrêtés ministériels qui fait partie des textes. Il y a des ces arrêtés ministériels. Il y a les licences. Ce sont les licences des opérateurs qui est attribuée via un arrêté ministériel. Ces licences sont accompagnées des cahiers de charges. Ces cahiers de charges, il y a pas mal de clauses qui encadrent un peu le fonctionnement de l'opérateur lui-même. Et il garantit un minimum de choses telles que la qualité de service pour les usagers, la couverture, les zones de couverture et les services fournis. Et sur la base de ces cahiers de charges, le régulateur peut encadrer un peu l'exploitation de ces licences en termes de donner les engagements des opérateurs sur les différents termes. Aussi, il y a les décisions parmi l'arsenal, il y a les décisions du Conseil national de régulation qui sont applicables sur les opérateurs. Et aujourd'hui, on a essentiellement une décision qui encadre un peu le marché de gros. Parce qu'aujourd'hui, on parle d'un opérateur. Télécom, vous savez, un opérateur de téléphonie mobile, des services mobiles, il y a des opérateurs encore, il y a des opérateurs de capacités, puisque les capacités font partie des services télécom. Par exemple, on parle de l'IMT, qui est un quatrième opérateur à Mauritanie, mais qui n'opère pas dans le domaine de mobile. Mais c'est un opérateur qui est licencié par l'autorité de régulation, qui s'occupe de l'exploitation de points d'atterrissement du câble ACE. C'est un opérateur de capacité. Et la nouvelle loi, comme Nourdine a dit, la nouvelle loi parle un peu de tout ce qui est nouveau opérateur de capacité. Par exemple, capacité passive, fournisseur de capacité passive, tel que tu peux être pas un opérateur télécom, mais un fournisseur de capacité tel que, par exemple, aujourd'hui en Mauritanie, on a la SNIM. La SNIM qui est société minière, mais elle a sa capacité de sa fibre optique entre Nouadhibou et Zouerat, qui est régie par le cadre réglementaire télécom. Et il y a une filiale de la SNIM qui est autorisée pour l'exploiter. Elle peut exploiter cette infrastructure et le partager avec les opérateurs, tels que la SOGEM, qui est société d'électricité de Manantali, de l'OMVS. Elle dispose de la capacité en fibre optique qu'elle doit partager avec les opérateurs licenciés. Tout ça, c'est encadré par une décision de l'ère Mauritanie. Si vous permettez, c'est très important ce que Abidine vient de mentionner, c'est la hiérarchisation, la classification des textes, des textes de loi. Il y a la loi, enfin, il y a deux lois, une loi de toute façon créatrice de l'autorité de régulation, mais aussi il y a la loi qui régit les secteurs. Donc de cette loi découle naturellement des textes décrets, mais aussi les arrêtés, dont les licences que les opérateurs signent avant d'opérer, avant de pouvoir opérer. C'est ce cahier des charges liste les charges sur lesquelles l'opérateur est tenu, pour lesquelles l'opérateur est tenu afin d'exploiter ses services et de fournir les services escomptés. Mais aussi les décisions. Donc il y a cette classification qui est importante. Je pense qu'il est assez intéressant que le citoyen mauritanien sache qu'il y a une classification des textes lui permettant d'arriver, déjà de recevoir les services voulu et de pouvoir garantir la qualité de ce service-là via cette hiérarchisation. En votre qualité d'expert en qualité, qu'est-ce qui contrôle la qualité de service? Bon, qualité de service, il y a au niveau du cahier de charge des opérateurs, il y a des seuils déjà prédéfinis dans le cahier de charge. L'opérateur est tenu de respecter ces seuils de qualité. Et le rôle de l'autorité de régulation, c'est de veiller sur le respect de ces engagements. Bien sûr, aujourd'hui, en Mauritanie, on voit qu'il y a des missions de contrôle de cette qualité par les services techniques de l'autorité de régulation. Et ces missions, il y a des rapports de qualité. Sur la base de ces rapports, ces missions, l'opérateur est mis en demeure de se conformer à ses engagements. Et la loi prévoit, suite à ce contrôle, que l'autorité prévoit une sanction, quelle que soit pécuniaire ou morale. Et les rapports de ces missions sont publiés sur le site de l'ARA, sont publics. Donc, c'est l'ARA qui s'occupe de ce qui est... Donc, Monsieur Nourdine, pour opérer dans ce secteur, qu'est-ce qu'il faut faire réellement pour...
Alors, il faut suivre une procédure qui est établie de manière très claire dans les textes que je viens de vous citer. Donc, évidemment, les textes se complètent les uns les autres. Mmh. C'est-à-dire que vous avez la loi, vous avez les décrets, les arrêtés, et ensuite, vous avez les décisions du Conseil national de régulation. Mmh. Il y a une procédure qui est détaillée, une soumission. D'abord, il faut que l'État décide d'ouvrir le secteur, de déclarer l'ouverture à une licence. Mmh. Ça, c'est si on veut être opérateur. Ce n'est pas le cas actuellement. Opérateur mobile. Opérateur mobile, particulièrement. Mmh. Quand au régime autorisation, j'y viens. Mmh. Donc, en ce qui concerne la licence de voie, déjà, mobile, opérateur mobile, mmh. Il faut qu'il y ait une sorte d'appel d'offres qui permet aux gens de soumettre et d'être retenus ou pas, selon un certain nombre de conditions. Évidemment, il y a un dossier technique. Il y a des commissions qui sont là pour vérifier la capacité et l'aptitude d'un opérateur économique à pouvoir opérer. Mm-hmm. Donc, il y a le fameux cahier de charge, mm-hmm. qui constitue l'annexe de l'arrêté que le ministre va signer éventuellement si l'État décide de donner donc cette licence. Mm-hmm. Donc, il y a des capacités techniques, mm-hmm. à fournir le service, à ériger des infrastructures de communication électronique, mm-hmm. à avoir les sociétés et les services qui vont avec, la maintenance, etc., etc. Donc, il y a un côté technique. Par la suite, il y a le côté financier. Mm-hmm. Donc, il y a aussi l'offre financière que l'État se réserve le droit d'apprécier. Mm-hmm. Donc, cette offre financière est également traitée par la suite une fois le dossier est recevable. Mm-hmm. Donc, ça, si vous voulez, c'est grosso modo la constitution du dossier. Mm-hmm. Après, on est mis en concurrence de manière immédiate. Et que je sache, en Mauritanie, il y a toujours eu une concurrence loyale où on a sélectionné toujours le meilleur de soumissionnaires. Mm-hmm. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, il y a 3 opérateurs mobiles, plus un opérateur de data, de données. Mm-hmm. Donc ceux-là sont licenciés, ont des licences. Aujourd'hui, comme je vous ai dit au début de cette émission, il y a la possibilité d'être opérateur autorisé. Mm-hmm. Et ça, c'est toujours ouvert, a priori. Donc, il y a des cahiers de charges élaborés normalement par les services de l'autorité de régulation. Mm-hmm. Une fois que vous répondez à ces cahiers de charges qui sont relativement plus légers, mm-hmm. que ceux qui sont donnés aux gros opérateurs, si je peux les appeler ainsi, qui sont licenciés. Donc, on peut être normalement, juridiquement, aujourd'hui en Mauritanie, on peut être licencié à tout moment, du moment où on répond aux cahiers des charges qui sont censés être disponibles, mm-hmm. et du moment où on y répond, on est autorisé. Mm-hmm. Donc, je vous ai expliqué au début que l'autorisation ne requiert pas forcément des capacités techniques ou des infrastructures telles que nous le pensons. Mm-hmm. Mais c'est surtout la location, ce qu'on appelle l'interconnexion et le marché de gros entre opérateurs. Vous avez parlé d'un quatrième opérateur que le citoyen peut-être ne connaît pas. À quoi consiste son travail? Parce que c'est l'IMT, c'est l'opérateur. Parce que on connaît les 3 opérateurs qui existent pour un quatrième tout opérateur. Tout à fait. L'histoire mauritanienne n'en connaît pas parce que ce quatrième opérateur, c'est l'IMT à qui on a confié la gestion du câble, enfin du point d'atterrissage, du point d'atterrissement du câble sous-marin. Donc cet opérateur ne vend pas de voix, ne fait pas de téléphonie mobile. C'est un opérateur qui vend les capacités. Souvent, des gens disent capacité Internet, mais en fait, c'est la connectivité. Donc, cet opérateur-là, il est dont le capital est ouvert aux opérateurs actuels par l'État mauritanien. Il y a donc l'État qui y est. Il y a les 3 opérateurs qui opèrent dans le secteur. Donc, l'État a choisi une stratégie qui associe tous les opérateurs qui sont déjà licenciés. Donc, ils sont, si vous voulez, actionnaires à peu près à part, presque égal, en tout cas entre 2 opérateurs. Et le troisième, il en a un peu moins. Donc cet opérateur-là n'est pas connu par le public parce qu'il ne vend pas, il n'a pas de clients. C'est un opérateur des opérateurs. C'est un opérateur d'opérateurs. Donc il fournit aux opérateurs, mais n'empêche, il est quand même régi par les textes qui sont en vigueur, comme l'a dit Abidine tout à l'heure. Mm-hmm. Il est obligé d'avoir un cahier de charge, il est obligé d'avoir un catalogue d'interconnexion, et donc il agit de manière administrative, si je peux l'appeler ainsi, avec les autres opérateurs comme un opérateur. Mm-hmm. Donc, c'est un opérateur. Mm-hmm. Et il peut, il a des perspectives, il y a des gens qui travaillent dedans, ils ont des... à mon avis, d'ici les années à venir, on va se rendre compte que c'est un véritable opérateur qui a ses perspectives et a ses chances de succès. Mm-hmm. Par rapport au quatrième opérateur c'est un opérateur pour, comme vous dites, c'est un opérateur de capacité. Mm-hmm. C'est vrai, c'est pas un opérateur pour le grand public. Mm-hmm. C'est un opérateur qui loue ou vend les capacités de transmission aux opérateurs. Mm-hmm. Mais vu que la loi prévoit que chaque service télécom doit être
accompagné d'une licence. Cet opérateur est licencié. C'est un opérateur. Bien sûr, on va le connaître dans l'avenir, puisque actuellement on est en phase d'installation d'un projet immense pour la Mauritanie. C'est un projet d'interconnectivité, c'est le WARSIP. C'est un projet financé par l'État, par la Banque mondiale, via l'État, bien sûr. Donc, c'est un projet qui est très important, qui peut donner de l'avance du pays à l'avance dans le secteur télécom, parce que c'est un projet qui va interconnecter l'ensemble des régions de la Mauritanie via la fibre optique. Donc, il y aura de la capacité qui peut être un peu partout en Mauritanie. Donc, et ce projet-là, qui est le WARSIP, c'est à ce moment-là que l'exploitation de ce réseau, ça va être confié à l'AMT, puisque c'est elle qui est en charge et qui est licenciée d'avoir, autorisée d'avoir la gestion des capacités. Surtout ça, c'est que, bon, c'est pour ça qu'il n'est pas. C'est un quatrième opérateur qui est dans l'ombre. Par rapport au consommateur, qu'est-ce qu'il doit faire pour optimiser son utilisation de ses services? Je vous remercie pour cette question qui est très importante, je trouve. C'est une question qui est fondamentalement importante pour les citoyens mauritaniens et pour les consommateurs lambda. Beaucoup de Mauritaniens s'intéressent rapidement à la technologie. Je vous ai dit au début qu'il y avait 250 000 Mauritaniens qui se sont immédiatement abonnés au service de mobile très rapidement après la première licence. C'était impressionnant, parce que la Banque mondiale avait fait un rapport en début des années 2000-2001. Je me rappelle qu'on avait parlé d'un taux de pénétration extrêmement élevé. 250 000 Mauritaniens se sont abonnés dans les premiers mois. C'était identique à celui du Maroc et de l'Algérie. Alors qu'au Maroc, on dépasse une population de 30 millions, alors qu'en Mauritanie, on avait moins que le dixième. Donc, ce qui montre que le Mauritanien a un engouement particulier pour les technologies de manière générale et la téléphonie mobile en l'occurrence. Cependant, je pense qu'il est une question s'impose. Quelle est la manière la plus optimum ou la plus optimale pour utiliser les services de télécommunication? Donc là, plusieurs manières peuvent être envisagées. C'est de réguler d'abord sa consommation, que ce soit data avec les services qu'on connaît maintenant sur les réseaux sociaux, etc. Il y a une utilisation excessive. Donc, Abedine le disait tout à l'heure avant l'émission, qu'on était pas loin de plus de 15% de data en ce moment. Donc, c'est assez élevé, alors que dans la sous-région, on est à 7%. Donc, en Mauritanie, on est à 16%, je pense précisément aujourd'hui. Je rappelle qu'il y a 4 millions et quelques, il y a plus de 4 millions d'abonnés en Mauritanie, ce qui veut dire que beaucoup de Mauritaniens ont plus d'une seule puce téléphonique. Beaucoup de Mauritaniens et de plus en plus utilisent la data. Que faut-il faire? Votre question est très pertinente. Il faut gérer sa consommation, comme partout d'ailleurs dans les autres domaines. Je pense que le Mauritanien aujourd'hui doit se poser la question: combien dois-je payer par mois en termes de consommation téléphonie mobile et data, enfin communication électronique? Je pense que le Mauritanien a besoin de réserver un budget mensuel ou même hebdomadaire si on peut. Ça, c'est la première chose qu'on peut dire tout de suite. Aussi, le fait d'un autre mécanisme qui est souvent suggéré dans les domaines de télécommunication, c'est de se limiter dans le temps, ne pas avoir un temps illimité d'utilisation de ces services. C'est très intéressant de les utiliser positivement. Mais il faut avoir un temps limité, ce qui va limiter automatiquement la consommation. Donc voilà un ou deux exemples permettant à une personne normale, un Mauritanien, d'utiliser ces services avec modération. Moi, je veux juste ajouter que par rapport à ce qu'il nous dit, est basé sur des chiffres. Parce qu'en Mauritanie, les chiffres, les indicateurs de base de télécommunication, tels que le trafic moyen par abonné, par utilisateur, par usager, et le revenu moyen par usager, c'est ce qui est l'ARPU, qu'on appelle le langage l'ARPU et le trafic moyen, c'est parmi les indicateurs les plus élevés dans la. Par exemple, je donne un exemple, c'est que l'ARPU, le revenu mensuel par usager en Mauritanie, c'est à peu près de 5 dollars. Et les normes dans le mondial, c'est de l'ordre de 1,2 dollars. Ce qui est vraiment ce qui rend l'investisseur intéressé par ce type d'usager, puisque c'est il sent le revenu. En plus, le trafic moyen usagé en Mauritanie, c'est de 23 000 irlangs. Et la norme mondiale, c'est dans l'ordre de 18. Donc, ça veut dire qu'on passe beaucoup de temps. J'explique, on passe beaucoup de temps au téléphone que du normal.
Et ça, ce qui est Nourdine a dit, c'est qu'on doit gérer un peu notre temps. Parce que si on voit la moyenne d'utilisation de la téléphonie en Mauritanie par rapport, par exemple, au Sénégal, il y a une nette différence. C'est qu'on passe plus de temps, donc on casse plus d'argent là-dedans. Mm-hmm. Ce qui est d'ailleurs ce qui intéresse plus l'opérateur. D'ailleurs, il y a un rapport qui a été révélateur, qui est sorti en 2012, je crois, de la Banque mondiale, mm-hmm. qui mentionne clairement qu'en Mauritanie, on consomme autant de nourriture que de communication électronique. Je vous dis un exemple. Je pense que c'était de l'ordre de 2,2 milliards de dollars en Mauritanie, la consommation, la nourriture, enfin, les produits consommables. On était à 2,25 milliards de dollars, alors qu'on était à 2,2 seulement en termes de communication. Donc on consommait autant de nourriture que de communication en Mauritanie. C'est assez surprenant. Et comme l'a dit Abidine, au Sénégal, on est à 70% de pénétration. Ça veut dire qu'à 70% de Sénégalais, à peu près, un peu plus peut-être aujourd'hui, moins de 80% de Sénégalais ont des téléphones puces, des téléphones mobiles. Mm-hmm. Alors qu'en Mauritanie, on a dépassé les 110%. Mais est-ce là un inconvénient d'être trop connecté? Ah bah, ça a beaucoup d'inconvénients, notamment si on zoome, comme vous dites votre émission, si on zoome sur les générations qui sont touchées. Parce que si vous dites qu'en Mauritanie, il y a 110% de Mauritaniens qui ont des téléphones portables, mm-hmm. ça veut dire que les jeunes sont encore peut-être plus impactés. Parce que si vous regardez les gens qui dépassent 60 ans, c'est le taux s'amoindrit. Mm-hmm. Mais en dessous, ça veut dire que peut-être les tranches, la majorité jeunes mauritaniens, vont dépasser les 150%. Mm-hmm. Donc, alors, vous imaginez, c'est parce que si la jeunesse est absorbée par l'utilisation, son temps est noyé dans l'utilisation systématique et durable, très... des services de télécommunications, c'est extrêmement dangereux. Je rappelle ici que l'Arabie Saoudite a avoisiné les 200% de pénétration téléphonique et vous pouvez, je vous laisse faire votre idée sur le progrès qui a été, le manque à gagner en termes de progrès des forces actives et de la jeunesse. Mm-hmm. Par rapport aux usagers, vous avez juste ajouté le volet santé. Mm-hmm. Le volet santé, c'est très important, puisqu'il y a pas mal de rumeurs qui disent que voilà, ce téléphone, c'est une source de problèmes de santé. Ici, en Mauritanie, le problème, c'est qu'il y a un marché parallèle de vente des appareils téléphoniques. Et la qualité de l'appareil téléphonique lui-même, c'est un facteur très important au niveau de la qualité de service lui-même, en plus sur la santé. Puisqu'un téléphone qui n'est pas normalisé, il peut toujours traîner des problèmes de radiation, plus ou moins ce qui est dans le nord. En principe, l'opérateur est tenu de connecter tout type d'appareil, mais à condition d'être homologué, selon les textes. Et l'homologation ici, ça veut dire que l'appareil téléphonique doit être standardisé par normes internationales. Et ici, sur le marché, malheureusement, on voit de n'importe quel type d'appareil qui prend n'importe où. Juste le prix qui caractérise l'appareil. Et malheureusement, ça a un impact négatif sur l'usager en termes de santé, en termes de service. Donc, moins de risques pour les appareils qui sont un peu... Oui, c'est ce que j'allais dire. C'est très intéressant parce que Avidien a dit, c'est pas parce qu'on achète un téléphone pas cher à 4000 ougiyas à Nord-Assyrien ou ailleurs qu'on est gagnant. En fait, on est perdant sur la santé. Donc, il faut peut-être mettre de l'argent pour préserver sa santé davantage. Parce qu'on peut tomber malade gravement parce qu'on croit avoir fait une bonne affaire en achetant un téléphone portable qui n'est pas du tout homologué ou qui est carrément qui est dans la fraude, en fait, qui est acheté dans un pays où on respecte pas les Il y a une chose, c'est que juste doit être un peu l'usager doit être au courant, c'est que c'est comme l'appareil téléphonique, c'est comme on appelle dans l'aviation le décollage à l'atterrissage de l'appareil. Au moment, c'est la même chose, c'est que le téléphone, au moment qu'on reçoit l'appel, c'est le moment le plus crucial de l'appareil, puisque c'est le moment que l'appareil reçoit la plus grande puissance du signal. C'est à ce moment-là. Au moment qu'on décroche, ça y est, c'est la liaison est établie. C'est au moment de l'échange entre l'appareil et le réseau, c'est le moment le plus crucial. Parce que si l'appareil n'est pas paramétré, son capteur n'est pas normalisé, il peut recevoir plus de... Il explose à cause de ce type de... cette force de signal de réception. Il peut exploser. C'est pour cela qu'on dit parfois le téléphone explose. C'est dû à ça. C'est un moment de déclin. Une fois, comme l'a dit Abedine, une fois l'appareil prend sa vitesse de croisière,
on est bien, mais au moment où on décroche le téléphone, ça c'est important de sensibiliser les gens. Donc, mais on peut décrocher et... Oui, s'éloignant. Oui, l'utilisation des écouteurs est très intéressante parce qu'elle diminue, selon les dernières recherches, elle diminue de 10 fois, enfin 9 sur 10, le danger du téléphone. Moi qui pensais le contraire. Non, les écouteurs, c'est très intéressant pour la communication. C'est pour ceux qui... On exhorte les utilisateurs, les hommes d'affaires, les gens qui ont beaucoup de communication électronique, d'utiliser beaucoup, enfin d'utiliser le moins possible le téléphone de manière générale, mais lorsqu'on est obligé par des contraintes professionnelles d'utiliser beaucoup le téléphone, il faut utiliser davantage des écouteurs parce que ça diminue de 10 fois le danger sur l'appareil auditif. Donc vous avez un peu anticipé sur ma prochaine question qui était: que conseillez-vous aux consommateurs mauritaniens? S'il reste d'autres conseils, bien sûr. Je pense qu'on en a parlé pas mal, l'utilisation modérée, réglée, mesurer dans le temps et dans le budget personnel, mais aussi prendre des précautions concernant l'appareil auditif. Comme l'a dit Abidine, le premier envoi, quand on décroche, la fréquence que reçoit, le signal que reçoit l'appareil, l'appareil récepteur qui est le téléphone, est très puissant, donc il faut faire attention. Il y a toute une panoplie de mesures de précaution qu'il faut suivre, qui sont assez connues sur Internet, qu'il faut suivre régulièrement et il faut surtout se mettre à jour. Et notamment les personnes âgées et les personnes qui ne sont pas lettrées, qui ne sont pas averties, ne sont pas avisées, il faut informer aussi autour de soi, dans la famille, de ces précautions qui sont très connues. En plus, c'est un aspect santé technique, mais il y a un aspect social. Parce qu'aujourd'hui, la communication électronique, c'est une connexion sur le monde d'aujourd'hui et c'est le village à cause de ça. Par exemple, l'utilisation de l'Internet, l'utilisation de réseaux sociaux, ça doit être un peu... Il y a toujours comme ce genre de zoom. Il y a toujours zoom, c'est l'aspect négatif de ce genre d'utilisation, surtout l'accès à l'Internet. Il y a des... utilisé dans le bon sens. Ce n'est pas utiliser l'Internet, surtout pour les jeunes. En tout cas, c'est une émission pour sensibiliser les citoyens. Et donc, sur les perspectives en vie en Mauritanie et l'expérience dans la sous-région. Alors, là, on avait dit au début de cette émission qu'en Mauritanie, la Mauritanie était quand même un pays relativement rapide en termes d'adaptation et d'émancipation technologique dans le secteur de télécommunication, qu'on appelle aujourd'hui communication électronique. Je pense qu'on devrait en Mauritanie avoir la perspective, avoir l'ambition de continuer cette émancipation dans le sens d'accompagnement et de perspectives technologiques. Notamment, on a parlé tout à l'heure de 1G, 2G, 3G, 3,5G. Parce qu'aujourd'hui, on dépasse les 3G, troisième génération. Donc, actuellement, il est question en Mauritanie de discuter de la 4G. Donc, il faut que les autorités compétentes et les opérateurs qui opèrent dans le secteur, chacun de son côté, il faut que les uns et les autres, chacun contribue de manière efficace et à la même vitesse, afin d'arriver à cette fin qui est quand même très intéressante, assez rapidement. Donc, ce ne serait pas très enchantant qu'on prenne de la lenteur alors qu'on est bien parti. Donc c'est ça, si vous voulez, une perspective, c'est que la Mauritanie pense tout de suite à la 4G et qu'on s'émancipe et qu'on exploite suffisamment le point d'étarissement dont on a parlé au début. Aujourd'hui, la technologie de communication électronique, on l'appelle les TIC, d'information de communication. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la future utilisation de la communication électronique, c'est l'intégration de l'ensemble de la vie quotidienne de l'usager dans un seul réseau. Par exemple, aujourd'hui, au niveau de la Chine, les gens parlent de la 5G. L'Europe, actuellement, utilise la 4G, mais en Chine, on parle de la 5G. Ça veut dire que le home connected, la maison connectée, la voiture connectée, par exemple, quelqu'un de son bureau, via son téléphone, peut préparer son repas à la maison, peut allumer sa voiture en descendant, la voiture peut elle-même communiquer avec la personne parce qu'elle est connectée. Donc, ça, c'est tout ce qui est aspect quotidien de l'usager doit être... C'est ça ce qu'on appelle future génération, les TIC, technique d'information et communication. Doit être tout intégré là-dedans. C'est qu'on doit préparer pour ça parce que c'est très proche. On doit préparer à ça parce que c'est vraiment... En Europe, c'est déjà la 4G depuis 2014.
2012-2013. Au Maroc, c'est déjà la 4G en Algérie depuis 2016 et en Tunisie. Le Mali est en cours d'initier le processus. Au Sénégal, la même chose. C'était l'année dernière, ils ont lancé l'appel d'offres. Et il faut se préparer, puisque ça évolue très vite. Répondre à votre question, on n'est pas encore prêt en Mauritanie, mais on peut l'être très rapidement aussi. Je pense que les Mauritaniens ont toujours cette capacité d'outrepasser les obstacles. Je pense qu'en Mauritanie, on a toujours cette capacité d'outrepasser les obstacles assez rapidement. Et donc, je pense qu'on est assez optimiste pour qu'en Mauritanie, on peut être prêt d'ici quelques mois à accueillir la 4G. Seulement, il faut travailler avec la même vitesse dans tous les secteurs, dans chacun des acteurs, que ce soit le gouvernement représenté par l'autorité de régulation ou les opérateurs ou les investisseurs autres. Il faut qu'on soit prêt à cela. Mais comme l'a dit Abidine, quelque chose de très intéressant, ce n'est pas de la science-fiction. Lorsqu'on veut, on pense à envoyer un SMS à son climatiseur, notamment en Mauritanie, en été, il fait très chaud. Il faut allumer le climatiseur pour que la chambre soit froide. Et il faut prendre le temps et on peut envoyer un message au climatiseur intelligent, relativement intelligent, pour qu'il s'allume 10 minutes avant que vous arriviez chez vous. Les Européens font la même chose avec le chauffage. Donc, il peut y avoir communication en machine, de manière plus intensifiée, grâce aux 4-5 générations à venir. Merci, on me signale qu'il me reste 2 minutes si vous avez quelque chose pour... C'est juste conclure. Par rapport à la perspective, c'est qu'ici en Mauritanie, le côté réglementaire, on est prêt pour l'accueil de la nouvelle génération de télécommunications. Ce qui, comme l'a dit Nourdine, c'est que ce qui n'est pas prêt actuellement, c'est juste mettre en marche la procédure et le processus de l'attribution des licences pour le 4G. Comme il a dit avant, c'est qu'au niveau de la licence, il y a deux méthodes d'attribution, soit un appel d'offres restreint ou un appel d'offres ouvert. Dans le cas de 4G, je pense que la Mauritanie peut opter pour l'appel d'offres restreint. C'est déjà préqualifié entre les trois opérateurs. Et ça, on l'attend. On attend d'ici... Monsieur Nourdine. Alors, moi, je pense qu'il y a beaucoup d'opportunités à saisir en Mauritanie, de part et d'autre, et qu'on peut aller très vite. Parce qu'on en a les moyens, on en a le bon départ, comme j'ai dit au début. Maintenant, il suffit de mettre les choses en œuvre. Les textes, l'arsenal juridique et réglementaire est assez robuste. Donc, il suffit de construire un petit peu. Il y a quelques retouches à faire. Et d'aller à l'avant et tout simplement de proposer, faire de la politique volontariste. Proposer quelque chose tout de suite, un calendrier, une feuille de route, aboutissant d'ici quelques mois ou un an à avoir de la 4G en Mauritanie. C'est faisable. Il faut s'y mettre. Merci. Donc, sur ce, je vous dis à la semaine prochaine, c'est la fin de l'émission. Je remercie M. Dr Nourdine Mohamedou, qui est maître de conférence, enseignant-chercheur universitaire à l'Institut supérieur de comptabilité et d'administration des entreprises. Merci. Je vous remercie. Je remercie également M. Abdallah et Ahmed Diabidine, experts en qualité de services télécom. Merci. Merci. Un grand merci à mon cadreur Mohamed Mouami. Et son cher Tourad Habib, script Mentou Wahbin, Nodal Tahman Bout, réalisation Mustafa Mohamed. À la semaine prochaine et au revoir. Merci.